Monsieur le Président, chers collègues, concernant cette délibération 59142, notre groupe Rassemblement National et Apparenté a demandé lors de la commission Environnement, Ruralité, Chasse-Pêche du jeudi 15 novembre un vote divisionnaire. En effet, cette délibération, véritable robinet à subvention, rassemble des bénéficiaires dont le degré de pudeur à l'égard de l'argent public laisse interrogatif. Ainsi, l'une des associations, le CICB, revendique 136 bénévoles, page 4, et valorise leur activité à hauteur de 30 011 €, soit 222 € par bénévole. Quand une autre association, page 10, Picardie Nature, revendique, elle, 300 bénévoles, dont elle valorise les activités à hauteur de 320 000 €, soit 1 066 € par bénévole. Un écart de 1 à 5 que rien ne justifie, tout au moins dans le document soumis à notre vote. Je note que l'association Picardie Nature, qui compte manifestement des bénévoles à très haute valeur ajoutée, a déjà reçu, lors de la délibération 2017-02-55, pour son activité de 2017, la somme de 130 000 €, et qu'elle sollicite ce jour pas moins de 113 448 € d'argent public. Monsieur le Président, êtes-vous en mesure d'expliquer pourquoi un tel écart de valorisation entre les bénévoles de deux associations également naturalistes ? Merci.